M'arriver à 30 ans, j'étais déjà tout cassé de partout, physiquement. Et il fallait que je trouve autre chose. Je voulais rester. Moi, j'aime bien faire pousser des trucs, c'est mon truc. J'ai cherché quelque chose d'un peu moins physique et au final, c'est le champignon qui répondait à mes critères. Du coup, je me suis formé un peu. Ouais. J'ai fait des petites formations rapides parce qu'il n'existe pas de grand cursus, du moins pas en France. Et j'ai travaillé chez un gros producteur à côté de Lyon aussi pendant quelques mois. Ouais. Bah après, j'ai démarché, j'ai cherché, expliquant qu'il me fallait un endroit qui reste frais, humide, un peu toute l'année. Quoi. Donc ça peut se faire souvent dans des souterrains aussi, ouais, ouais. D'anciennes mines ou même d'anciens parkings souterrains, ouais. Des tunnels. Et bon, ici, les murs sont tellement épais, ça fait comme dans un souterrain, c'est pareil. Ouais. La commune de Mont-Dauphin m'a orienté vers le centre des monuments nationaux. Ah ouais. Donc ici, c'est le centre des monuments nationaux qui me loue. Ouais. Madame Fouilloua cherchait à un peu plus valoriser les bâtiments. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ça tombait bien. En fait. On s'est trouvé au bon moment, au bon endroit. Là. Les pièces que je calfeutre, où j'ai peu d'échanges avec l'extérieur, ça ne bouge pas beaucoup. On va dire il y a une moyenne de 15 degrés sur l'année. Mmh. Après, il y a des pièces où j'emmène de l'air de dehors, mmh. Celles où les champignons fructifient parce qu'ils ont besoin de respirer, il leur faut de l'air neuf. Là, ça bouge un peu plus quand même. C'est 18 degrés. Ouais. 8, je suis descendu à 8 degrés au plus bas. Ils ont refait la porte du bas. Ouais. Ils doivent me refaire, prochainement, ils doivent refaire volets et vitrages. Oui, les murs sont épais. Il a d'abord fallu vider quelques remorques de. Il y avait des gravats, je crois que ça a été un peu squatté à une époque, il y avait des trucs qui traînaient, gros nettoyage et je viens juste de finir les aménagements ce printemps. Il m'a fallu un peu de temps. Au début, j'ai un peu tout essayé. J'ai fait les marchés, les AMAP, les magasins, les restaurants, plein de choses. Et au final, ce qui s'avère être le mieux pour ce produit, du moins pour moi ici, c'est les magasins. Je vends beaucoup de magasins. Et ensuite, je travaille avec Échange Paysan, qui est un grossiste local. Et eux, ils vont là où je peux pas aller, où c'est trop loin pour moi, où j'ai pas le temps. Donc, c'est des magasins, des restaurants, des cantines. Il a fallu que je trouve ce qui aille bien aussi, parce que c'est un produit qui, une fois qu'il est récolté, dans les 2-3 jours, il faut qu'il soit vendu. Moi, je les garde maximum 48 heures. Et du coup, et j'en récolte tous les jours aussi. Du coup, j'ai besoin qu'il y en ait qui partent un peu tous les jours. Quoi. Et avec les magasins, avec l'ensemble des magasins que j'ai maintenant, j'en ai un peu qui partent tous les jours. Moi, je livre d'ici jusqu'à Gap. J'y vais tous les lundis et ce matin, les jeudis aussi. Ouais. Voilà. Après Briançon, tout ça, c'est Échange Paysan qui y va pour moi. Là, il m'en reste un tout petit peu, j'ai un petit surplus. Du coup, je vais aller sécher pour voir, pour pas les perdre. Un produit qu'on consomme pas trop en été. Moi, je le vois dans les magasins et tout. Dès qu'il y a les primeurs qui arrivent au printemps, les tomates, tout ça, c'est bien de faire un vide sanitaire dans l'été aussi. Pendant un mois, il n'y a plus rien, ça pourra assainir un peu. Du coup, en général, on arrête un à deux mois l'été. Ouais. Après, j'en ai en chambre froide que j'ai récolté ce matin, qui vont partir ce soir et demain aussi encore. Alors ça, c'est le mycélium. C'est avec ça que j'ensemence. Hein. Ouais. Donc c'est ce qui est dans le tronc ou dans la terre normalement. Ouais. Pour pleurote, c'est dans le tronc parce que ça pousse sur des arbres. Ouais. Là, il est sur du millet. Il est sur des grains de millet en fait. Millet. Je le reçois comme ça. C'est là sur moi. Ça, je le garde. Là-dedans, on est à 2-3 degrés. Pour qu'il se stabilise, parce que sinon il va continuer à pousser et il va me faire même des champignons au bout d'un moment, s'il fait assez chaud. Et là il m'en reste un petit peu de ce matin. Je les couvre, ça sèche vite. Ah ouais.
peu cagette encore. Il va y avoir 5-6 kilos, là, quelque chose comme ça. Donc là, il y a, bah, il y a 4 kilos qui partent ce soir, et il y en a qui partent encore demain. Pas trop de surplus en ce moment. C'est bien comme c'est comme ça. Alors ici, beaucoup de choses se passent. Le pleureur dans la nature, il pousse souvent sur du peuplier. Donc il a besoin d'une base en carbone en fait. Ouais, moi j'utilise la paille, c'est plus simple. Du coup la paille elle est broyée en amont, je la broie. Là hier je l'ai humidifiée. Je mets la paille sèche, ça c'est un gros mélangeur en fait. Je la mets là-dedans, je l'arrose. Je la mouille et elle va fermenter en terre comme ça pendant quelques jours. Donc, les champignons et les bactéries qui sont en dormance dans la paille sèche se réveillent. Et après, ça va prendre 4-5 jours pour que tout le monde se réveille. Et ensuite, je vais la passer là-dedans. Ça, c'est un pasteurisateur. Là, c'est un gros hammam en fait. Il y a un générateur de vapeur. Donc là, une fois que ça c'est fait, on a sélectionné les bactéries qu'on veut, celles qu'on ne veut pas. Et là, je peux ensemencer. Ça repasse dans le mélangeur, je rajoute le mycélium et je remplis des seaux comme ça. Beaucoup de personnes font ça en sac plastique. C'est un peu plus simple que les seaux. Les seaux, une fois que la culture est finie, les sacs plastiques, on les jette, c'est fini. Les seaux, pour moi, l'idée c'est de les réutiliser. Donc il y a une journée de nettoyage par semaine quand même pour les seaux. Au début, je faisais dans des sacs plastiques et ça commence à faire beaucoup de déchets plastiques, entre 50 et 70 sacs comme ça par semaine, donc ça commence à faire beaucoup. J'ai cherché une solution et j'ai vu au Canada, il y en a qui font comme ça. Je le mélange, vraiment je le mélange, les grains de miel, je les défais un peu, parce que là ils sont compactés, je les défais, c'est mélangé et après je remplis les seaux. Voilà. C'est vraiment tout mélangé. De là il va y avoir une phase d'incubation. Tant que le mycélium va mettre à coloniser toute la paille en fait. C'est 2-3 semaines. On maintient une température à 20 degrés. 2-3 semaines. Au bout de 2-3 semaines, on va avoir des petits primordias. C'est les bébés champignons qui vont commencer à sortir des trous. Et là, je les emmène dans une autre salle. Une salle de fructification. Et là, c'est un autre climat. Là, on a de la lumière, on ventile, on brumise. Et on essaie de rester entre 10 et 20 degrés. Bon, c'est là le plus intéressant. Là, c'est contrôlé. Alors l'été, il n'y a pas besoin de chauffer. Là, je viens de rallumer un peu de chauffage. Donc ici, on est dans la salle de fructification. Donc ici, on change de climat comparé à l'incubation. On va avoir de la lumière, humidifier, renouveler l'air, c'est très important. On va également essayer de rester entre 10 et 20 degrés. Donc au cas où, s'il fait vraiment trop froid dans l'hiver, il y a une petite pompe à chaleur pour réchauffer. Donc là, voilà, une fois que les champignons ils arrivent ici, ils vont mettre entre 3 jours et une semaine à atteindre leur taille mature pour pouvoir les récolter. Ça va assez vite, plus il fait chaud, plus ça va vite. Oui, du coup, il trouve tout seul le chemin dans les trous. Alors, il ne sort pas forcément toujours par tous les trous, mais ça reste assez homogène quand même. Alors, pour les récolter, ah bah tiens, vous voulez que j'en récolte un? On va en trouver un quand même dans tout ça. Le gros lama. Ça peut le faire. Bah c'est tout simple. Hein. En fait, ils viennent tout seuls. Hop, et voilà, il est là. Mon record, j'en ai eu un, une fois il faisait 2,2 kg. J'ai une photo, je l'ai devant ma tête, comme ça on voit plus ma tête. C'est un bouquet vraiment énorme. Quand ils sont trop gros, je les craque parce que
Les gens dans les magasins, ils veulent pas forcément acheter un bouquet énorme, quoi. Donc je les sépare. Si parfois il y a beaucoup de paille qui vient avec, je l'enlève. Ça présente un peu quand même. Mais non, ben là c'est bon, c'est prêt. Celui-là il est bien, là. Il n'y a plus qu'à le mettre dans la cagette. Oui. Derrière il y a encore une autre salle, la même. Pour l'instant elle est vide. Mais j'espère bien la remplir prochainement. Je vais faire un essai sur un autre champignon. Là. J'ai commandé du mycélium, il va arriver la semaine prochaine, je pense. De la foliote. Vous voyez? On ne connaît pas trop en France, c'est plus en Italie. Ça pousse aussi en bouquet, mais ça a plus la forme d'un vrai champignon avec le pied, le chapeau, mais en bouquet toujours. C'est joli. Il paraît que c'est un petit goût de noisette.